course ce samedi qu'a eu lieu, bien sûr, la levée du corps du patriarche Antoine Gizenga, secrétaire général et chef du parti lumumbiste Unifié Palou. La dépouille du leader charismatique du Palou est actuellement exposée au Palais du Peuple. Nous sommes dans la municipalité de Lingwala pour le dernier hommage et demain dimanche, Antoine Gizenga bénéficiera des hommages officiels avant d'être inhumé provisoirement au site de l'Antélé en attendant la fin de travaux de construction de son mausolée sur le site Bouma dans le district de la Tchangou à Kinshasa. Demande l'événement Gaëtan Magalano. Et plus de 12 heures à Kinshasa, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, ministre, personnalité politique, cadre et membre du parti lumbiste unifié, un membre de la famille Gizenga, assiste dans et bien évidemment inconsolable, le baobab est tombé. Antoine Gizenga s'en est allé rejoindre ses amis, père de l'indépendance. Une procession accompagnée de chants et danses s'embrale direction le palais du peuple de Lingwala, siège du parlement congolais. C'est ici qu'a lieu les obsèques officielles. Un grand homme d'État, un compagnon de lit de Patrice Emery Lumumba, Antoine Gizenga, s'éclipse. Il est en lui-même une partie de l'histoire nationale. C'est ce dimanche qu'interviendra son enterrement provisoire dans la concession familiale de l'Antsélé, en attendant l'inhumation solennelle à Bouma. Et il a donné de son temps, voire une partie de sa vie, si pas l'entièreté, pour l'amélioration du social de Congolais. On parle bel et bien d'Antoine Gizenga, qui a sacrifié toute sa jeunesse pour la lutte contre les néocolonialismes. Le patriarche, comme beaucoup l'appelaient, a été compagnon fidèle qui ne s'est jamais dérouté de la voix de Patrice Emery Lumumba. Tels sont les témoignages de personnalités politiques que nos reporters ont rencontrés sur place. Ils étaient au micro une fois de plus de Gaëtan Magalano. Le grand Bandundu, toute la République démocratique du Congo, l'Afrique et tous les citoyens du monde qui tiennent à vivre dans le respect strict de leur identité. Pour son cas, c'est l'identité d'un vrai nationaliste, un lumumbiste. Tous ceux-là sont en deuil, ceux qui ont vécu dans le respect de leur identité. Et en l'espèce, c'est l'identité lumumbiste et l'identité nationaliste. C'est un homme d'histoire. Il est entré dans l'histoire du pays déjà de son vivant. Parce que trentenaire, en 1959 déjà, il est à la tête du PSA, qui est à l'avant-garde de la réclamation de l'émancipation de notre pays, de la tutelle belge, de la colonisation belge. Et il est avec Joseph Kasavubu, assisté par Nzeza Landou, lui assisté par Cléophas Kamitatou. On leur a infiltré Kalonji avec Adoula. Mais ils sont les deux, en fait, à avoir exigé d'avoir des pourparlers pour les réclamer l'indépendance du Congo auprès des Belges à Bruxelles. Leur lutte était pour qu'il y ait émancipation du peuple congolais, africain dans son ensemble. L'essentiel est que Gizenga a lutté depuis que la partie lumbiste unifiée est née pour la restauration de la démocratie, qui va réussir bien sûr avec les dialogues intercongolais, et puis on va entrer dans les cycles des élections qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Les militants des militants du parti doivent savoir que le chef nous a appris à être toujours unis, à être toujours disciplinés et marcher selon les principes du parti.
parti. C'est un homme de la liberté, un homme de la souveraineté, un homme de l'unité, un homme de l'intégrité, un homme de la dignité du panafricanisme de la nation congolaise. Lorsque vous perdez un papy qui a 94 ans, on ne pleure pas. On les célèbre, et surtout lorsqu'il y a eu toutes ces œuvres qu'il a produites et toute la progéniture qui est derrière. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment de célébration nationale. On quitte Kinshasa, direction la ville de Butembo. Encore une mauvaise nouvelle. Attaque armée qui a visé le centre de traitement d'Ebola ce samedi matin. Bilan provisoire, un policier mort, un autre blessé, mais aussi un agent du CTE poignardé par les assaillants. Les deux victimes vivantes ont été acheminées dans un centre de santé pour des soins appropriés. Selon notre correspondant sur place, les FRDC venus en renfort aux éléments de la police ont réussi tout de même à repousser cette deuxième attaque, épargnant ainsi les CTE de Butembo d'une nouvelle destruction. Correspondance au Nord Kivu de Martial Bendelo. On se prépare pour faire la passation avec l'équipe qui devrait venir le matin. Mais malheureusement, c'était vers 6h moins 5 comme ça. Nous avons attendu brusquement les crétinats de balles au côté où nous étions, à côté de l'habillage. Mais pendant qu'on a senti ces crétinats de balles, nous sommes sauvés, nous sommes débrouillés. Chacun allait là qui devrait aller. Parmi ces malades, et surtout ceux qui étaient au niveau du suspect, et ceux qui avaient la force de quitter le CTE, ont pris fuite. Mais surtout, la majorité des gens, de ceux-là qui étaient confirmés, sont restés dans leur lit habituel. Et avec le personnel qui était là-bas, nous sommes même parvenus à aller aux côtés de ces confirmés pour chercher où s'abriter. C'est un remerciement d'abord que je dois adresser à l'armée, parce que ni était l'armée, on devrait vraiment assister au pire. Parce qu'avec les rafles, ce qu'a fait l'armée, c'est pour laquelle même les assaillants a fini à quitter le CTE, parce qu'il faisait tout ce mouvement à l'intérieur en train de chercher le personnel. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, ils sont venus tuer peut-être le personnel. La fois dernière, parce que j'étais là, ils venaient brûler ce qu'ils avaient besoin. Mais aujourd'hui, quand on voyait l'air vraiment aller, ils voulaient tuer les gens. Mais par grâce de Dieu, les FRDC avec la police nous ont sauvés. Nous disons vraiment merci pour eux. De retour à Kinshasa, on prend directement la direction de l'Assemblée nationale où elle, bienvenue Ikaka, a échangé hier vendredi avec les speakers du bureau provisoire de cette institution entre le patron de Big Radab Group International et le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement congolais. Il était question de discuter sur les SIMP, le système intégré multisectoriel permanent, une innovation de elle, bienvenue Ikaka et de son entreprise qui offre l'opportunité à l'Assemblée nationale d'être équipée en NTIC. C'est à l'aide de leurs produits SIMP que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo se verra plus performante avec une base de données consolidée de toutes les lois votées, des missions d'information, missions parlementaires, des votes et déroulement des travaux en vue de faciliter les travails des parlementaires. Elle, bienvenue Mpulunga Ikaka, initiateur du projet et patron des Big Radab Group Technologies, entreprise spécialisée dans les technologies de l'information, l'a dit au speaker du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Je suis venu introduire notre produit SIM pour permettre de voir un peu comment est-ce que nous pouvons aider l'Assemblée dans la nouvelle technologie de l'information. Elle, bienvenue Kaka, par ailleurs noté qu'il est revenu pour penser dans la même direction en vue et du développement de la RDC. Maintenant, je viens amener mon expertise dans mon pays. Je crois qu'avec son Excellence, Monsieur le Président Antoine Chilombo Tshisekedi, je crois qu'il va nous adopter et nous allons l'aider. Cet investisseur compte rencontrer d'autres autorités de la RDC pour la même cause. Et puis, plébiscité meilleur ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Steve Bikai ne cesse de recevoir de congratulations des étudiants qu'il a dirigés jusqu'il y a peu. La dernière en date est celle de la représentation des étudiants du Congo. Cette dernière salue le travail abattu par l'ancien ministre des l'ESU. Tenez, le membre de cette structure lui ont même à l'occasion décerné un diplôme de mérite au nom de tous les étudiants de la RDC. C'était hier vendredi à Kinshasa.
Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et après avoir choisi l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a quitté officiellement ce ministère qu'il avait la charge de conduire. La cérémonie de remise et reprise entre Henri Movasakani et son vice-ministre a eu lieu ce samedi à Kinshasa. Basile Olongo, vous l'avez compris, assurera donc désormais l'intérim de ce ministère jusqu'à la mise en place du nouveau gouvernement. Cette poignée de main significative entre deux personnalités qui ont travaillé ensemble pendant plusieurs années. Ici, Movasakani rejoint l'Assemblée nationale comme député et laisse le bâton de commande du ministère de l'Intérieur à son vice Basile Olongo, qui devient le nouveau patron de l'Intérieur et de la Sécurité. Les sentiments de joie est partagé entre les deux hommes d'État qui se connaissent parfaitement bien. Cette cérémonie intervient après le verdict du Conseil d'État interdisant tout cumul des fonctions aux ministres élus députés nationaux et provinciaux. Voilà pourquoi, au ministère de l'Intérieur, l'intérim d'Henri Mova sera assuré par le vice-ministre Basile Longa jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. Satisfait du travail abattu, Henri Movasakani s'en va, mais se réjouit de confier la gestion du ministère entre les mains d'un homme laborieux. Ce n'est pas une passation de pouvoir avec un étranger au service. C'est une grande joie d'avoir connu ces gens de beaucoup de compétences, beaucoup de qualités. Pour Basile Olongo, il faut continuer à travailler sans relâche pour assurer la sécurité du peuple congolais. Dieu a fait grâce que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, Henri Movasakani, soit élu. Il a choisi l'Assemblée. Nous n'avons pas le même entendement que les autres qui croient que la gestion des affaires courantes, c'est rester à la maison, se croiser les bras. Non, nous devons travailler parce que si nous osons une minute chercher à dormir ou un peu d'assouplissement, mais le pays est à genoux. Donc nous sommes appelés à travailler 24 heures sur 24 heures pour que le pays soit administré, pour que le pays soit géré. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur et Sécurité en présence du secrétaire général à l'Intérieur et Sécurité. On change carrément de chapitre. Le secrétaire national chargé de la mobilisation et propagande du PPRD a échangé ce samedi avec les femmes du district de la Moamba. Denis Akilanga a exhorté ces femmes, les femmes de ce coin de la RDC, à œuvrer pour l'épanouissement de la femme congolaise, vecteur du développement de la RDC. Une rencontre qui, selon Denis Akilanga, s'inscrit dans le cadre du mois de mars dédié à la femme dans le monde. Regardez. C'est avec plus de 500 femmes, au village Kayanza, que Denis Akilanga Nyembo Christian, secrétaire national chargé de la mobilisation du PPRD, prêche le mois de la femme. Dans sa parole, Denis Akilanga exhorte ses femmes de Moamba de travailler, car dit-on, une femme sage bâtit sa maison. Au cours de cette rencontre, l'infatigable chargé de la mobilisation du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a remis quelques dons de tôle et mixeur pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Voilà de quoi faire réagir quelques femmes. Et c'est dans une ambiance bon enfant qui s'est clôturée cette rencontre entre Denis Akilanga Nyembo Christian et le femme de Moamba. Et puis cette série de sensibilisation de pharmaciens sur le territoire national organisée par le réseau de jeunes pharmaciens du Congo, ces assises ont pour objectif essentiel d'informer sur le vrai rôle du pharmacien au pays. Souvent, vous le savez, réduit à de simples vendeurs dans des pharmacies, cette perception n'a plus sa place d'être ici en République démocratique du Congo et dans le monde, selon la Régépharco, qui d'ailleurs décourage quant à ce. L'inaction est la mère de tout le monde, dit-on, et les réseaux de jeunes pharmaciens du Congo ont opté pour l'action. Ici, ils viennent sensibiliser les élèves finalistes sur le bienfait du métier pharmacien au pays. Ils ont ciblé les élèves finalistes du secondaire pour présenter la mission et le rôle que joue un pharmacien dans la communauté. Les coordonnateurs de cette structure ont bien choisi les mots. On leur a parlé, c'est quoi
la mission d'un pharmacien au lieu de garantir la qualité des médicaments. Donc, en commençant par la synthèse de la substance active jusqu'à la préparation, la consommation, voire même l'élimination de ces médicaments, c'est un pharmacien qui est censé garantir toute cette procédure. Un pharmacien doit protéger les patients contre toutes les erreurs éventuelles qui pourront provenir d'une prescription. Cette mission n'a pas manqué de porter les fruits. Le bon d'ailleurs. Les élèves de l'école Moamba ont levé tout malentendu et conception erronée sur les pharmaciens. En tout cas, c'était intéressant. Nous avons eu beaucoup plus d'éclaircissements sur la pharmacie parce que nous avions beaucoup de confusion autrefois, mais aujourd'hui, nous avons eu des éclaircissements sur certaines choses que nous ne comprenions pas avant. Oui, j'ai retenu la signification d'un pharmacien. Qu'un pharmacien, ce n'était pas la personne qui vendait dans une pharmacie, plutôt la personne qui connaît les médicaments, qui les fabrique aussi. La mission va s'étendre sur l'ensemble du territoire national pour pousser les élèves à avoir plus de goût aux études de la médecine pharmaceutique. Présentation du programme de 100 jours du président de la République. L'initiative est plus que saluée par les Congolais. Au sein de l'UDPS, le parti du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le membre ressortissant d'Ilebo en province du Kasaï, ont à travers une déclaration adressé un message de félicitations au président de la République. Ce dernier ont à l'occasion plaidé pour le développement de leur entité territoriale. Regardez. Sous le leadership de son président, Fortuna Ndambo Mandjuanju, et Sébastien Mapouar, vice-président, la déclaration a été lue par le docteur Roms Ngwapichi, rapporteur, en présence d'un échantillon des membres. Nous sommes au siège de l'UDPS à Limété, et pour cette communication, les membres du territoire d'Ilebo, dans la province du Kasaï, résidant à Kinshasa, se sont adressés au président de la République. Avons le réel plaisir de vous exprimer notre joie et surtout de vous féliciter à l'occasion de votre accession à la magistrature suprême de notre pays suite à votre brillante élection du 30 décembre 2018. La population du territoire d'Ilebo, ses ressortissants à travers toute la RDC, se félicite d'avoir activement et massivement contribué à votre victoire et vous promet un soutien indéfectible pour la réussite de votre quinquennat. Les notables d'Ilebo, à cette occasion, insistent sur le volet développement, leur territoire étant enclavé. Nous gardons bon espoir que le territoire d'Ilebo, l'un des plus enclavés de la RDC, retiendra votre meilleure attention parmi vos priorités en matière des infrastructures sanitaires, éducatives, routières, à l'occurrence la route nationale numéro 20, ses bacs de pont, aussi celle des dessertes agricoles complètement délabrées et entretenues par endroits par certains particuliers natifs d'Ilebo. De manière symbolique, la déclaration a été lue devant la grande affiche de l'effigie de Tien Tshisekedi d'heureuse mémoire. Pour Fortuna Ndambo, qui s'est par la suite exprimé en Lingala, les membres de l'UDPS ressortissants d'Ilebo résidant à Kinshasa reste derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis les anciens stagiaires de la JICA ont organisé ce samedi à l'INPP leur assemblée générale, occasion donc pour cette association de présenter devant ses membres le rapport financier ainsi que l'ensemble des activités qui ont été réalisées pendant l'année 2018. La cérémonie a eu lieu en présence du président de l'ASJICA et du représentant de la JICA en personne. L'année 2018 s'est achevée et l'association des anciens stagiaires de la JICA s'est réunie en assemblée générale dans la salle polyvalente de l'Institut national de préparation professionnelle. À l'issue de cette assemblée, à cette rencontre, il a été essentiellement question d'évaluer les financements obtenus et les activités réalisées pendant l'année 2018. Pour la SJICA, deux activités ont été prioritaires, notamment la formation sur la sexualité des adolescents en milieu scolaire ainsi que la gestion des déchets dans les écoles réalisées à l'Institut Bokeleale. Ainsi, le représentant de la JICA, porte-étendard de la coopération japonaise en RDC, a manifesté sa satisfaction
face à ces réalisations de la SJK au cours de l'année dans les domaines de la santé et de l'environnement. Satisfait également, le président Maurice Tikuya a remercié l'agence japonaise de coopération internationale en remerciant également les anciens stagiaires du travail abattu. Ceci relevant tout de même qu'il y avait encore du chemin à faire. Pour lui, il faut compter plus sur les cotisations des membres pour réaliser encore plus. Notre souhait, c'est de voir le Japon élargir ses cercles de façon que nous puissions avoir plus de stagiaires congolais vivant au Japon, de façon à ce que nous puissions amener l'expertise japonaise en République démocratique du Congo pour soutenir le développement de la République. Et si vous allez à l'Institut Bokele y aller, vous trouverez que nous avons fait la protection de l'environnement et la gestion des déchets dans les écoles. Et ce sont des choses qui touchent directement à la vie quotidienne. Et je crois que ça, c'est important. Le président de la SJK a convié les membres à se mobiliser pour continuer à financer les activités de l'association et à continuer à développer des actions d'intérêt général en République démocratique du Congo, malgré la modicité des moyens. Parlons cette fois de la modernité dans ce journal avec les secteurs du tourisme en République démocratique du Congo après la présentation de la plateforme e-commerce par l'Office national du tourisme et ses différents partenaires. Hier vendredi 8 mars, c'était au tour de e-paiement, un système qui contribue à la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Après la réunion tenue au Pullman la semaine dernière, l'Office national du tourisme ONT en sigle et ses différents partenaires ont procédé à la présentation des e-paiements, un système numérique qui vient au secours des opérateurs économiques. Bon, généralement, tout ce qui est dématérialisation emmène au moins deux ou trois choses. Un, des systèmes sans cash, il n'y a plus de manipulation d'espèces, donc ça diminue les velléités de corruption active. Deux, il y a une traçabilité et un historique, donc on sait voir d'où est parti le paiement, qui l'a perçu. Et trois, ça limite les interventions humaines. Donc c'est déjà au moins trois leviers qui tendent à réduire les tracasseries et au moins, si pas l'éliminer totalement, à réduire la possibilité d'une corruption active ou passive. Donc on pense que oui, ça va dans la bonne direction. Le paiement électronique est le paiement le plus sécur qui puisse exister à l'heure actuelle. Multiplier les stratégies en vue de participer économiquement au développement de l'RDC demeure le souci majeur du directeur général de l'ONT. Il a également saisi l'occasion de s'adresser aux femmes en cette date du 8 mars à l'heure dédiée. L'ONT, en mettant sur place ce mécanisme, il vise l'efficacité de son action. Dans le secteur du tourisme, nous avons plus de la moitié du personnel, c'est féminin. Quand il y a la paix, il y a la sécurité et ils auront un emploi durable. En appliquant ces nouveaux projets d'e-commerce, l'ONT et ses partenaires visent en plus d'éradiquer les détournements et les flux de la corruption, mais également le soutien aux opérateurs économiques de la République démocratique du Congo. On refait un saut sur la Journée internationale de la femme. La date du 8 mars a été également célébrée dans le Kasaï central comme partout ailleurs. Occasion pour Denis Kambay de réunir toutes les couches féminines de sa province pour célébrer cette journée leur dédiée. Le gouverneur de province s'est dit par ailleurs satisfait de la considération de la femme dans son entité. C'était dans la salle polyvalente 12 maisons dans la ville de Kananga. 8 mars, une journée célébrée partout à travers le monde en l'honneur de la femme. Au Kasaï central, cette journée a été marquée par une grande cérémonie marquant la 42e journée mondiale de la femme, organisée dans la salle polyvalente 12 maisons par le gouverneur Denis Kambay Chimbumbu, sa façon d'honorer la femme du Kasaï central et l'encourager à aller de l'avant pour son bien-être au même pied d'égalité que l'homme. Plusieurs délégations représentant toutes les couches sociales du Kasaï central dans leur féminité ont répondu présent à cette cérémonie et leur joie n'est pas à démontrer. Dans son message, le ministre provincial de la Santé et Genre,
a invité les femmes du Kasaï central de se considérer comme une plaque tournante de la vie en famille. Denis Kambaï s'est dit heureux d'avoir donné un sens à cette journée par la participation des femmes dans la gestion de sa province en les mettant à des postes de décision. Le gouvernement provincial que je dirige s'engage à vous accompagner pour l'atteinte de l'objectif général de cette journée, celui de mobiliser la communauté pour participer à la lutte contre les inégalités face aux hommes dans notre province du Kasaï central. C'est sur ces mots que je lance officiellement les activités de la Journée internationale de la femme et je vous remercie. L'un des rares gouverneurs qui a fait peu de jours seulement à la tête du Kasaï central et les Kasaïens ont retrouvé leur sourire dans la construction d'un avenir meilleur. On va prendre cette triste nouvelle qui touche le corps juridique du parquet général près la Cour constitutionnelle. Décédé depuis le 21 février dernier, la dépouille mortelle de Kalambai Chikuku Mikishi Edouard, avocat général près la Cour constitutionnelle, a été inhumée ce samedi 9 mars au nécropole entre terre et ciel. Décédé le jeudi 21 février 2019 à Kinshasa, Edouard Kalambai était avocat général près la Cour constitutionnelle. La levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema est intervenue vendredi dernier. Ses collègues lui ont rendu un vibrant hommage pour honorer sa mémoire à l'occasion d'un bref passage du corps à la Cour constitutionnelle. Edouard Kalambai a connu un parcours élogieux. Il fut substitut du procureur général de la République à Kisangani, puis à Kindu dans le Maniema. Il a également exercé la fonction d'avocat général au parquet général près de la Cour de la Sûreté de l'État en 2001. En 2013, il est procureur général au parquet général de Bandundu. Depuis 2014, jusqu'à sa mort, il est avocat général près la Cour constitutionnelle. C'est ce samedi que son corps a été mis en terre au cimetière Nécropole. Mais avant, les magistrats des cours et tribunaux civils et militaires, les magistrats de la Haute Cour militaire, du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle lui ont rendu un dernier hommage. Après ces hommages, le corbillard qui transportait le corps de l'illustre disparu s'est dirigé vers le cimetière Nécropole où il a désormais sa dernière demeure. Un communiqué nécrologique avant de nous quitter. Les familles du directeur Moutangala Ramazani Germain, du juge permanent au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe et du conseiller juridique à l'EPSP Moutangala Mwanangongo Jean-Pierre, l'inspecteur Moutangala Niembo Nico de la DGM, ont la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis, familles et connaissances, aux communautés Emba de Kongolo, Mbangumbangu de Kabambare, Bahombo et aux ressortissants de Kalemi le décès de leur mère Bikakashi Mikisi survenu ce samedi 9 mars 2019 à Lubumbashi. Les deuils se tiennent au quartier CRAA dans la municipalité de Lubumbashi et à Kinshasa les recueillements est organisé au domicile de monsieur Moutangala Germain, 6 avenue numéro 1C, avenue 3 Vallée au quartier Joli Parc, municipalité de Ngaliema. Un culte d'action de grâce y sera organisé au retour de la famille après le funérail de Lubumbashi et la date vous sera communiquée ultérieurement. Fait à Kinshasa le 9 mars 2019 pour la famille Moutangala Ramazani Germain. Bienvenue si vous rejoignez Télé 50, c'est parti pour le rappel de principaux titres. Début des obsèques du patriarche Antoine Gizenga ce samedi à Kinshasa. La dépouille mortelle du leader charismatique du Palu est actuellement exposée au palais du peuple à Kinshasa-Lingwala où les derniers hommages lui sont rendus jusqu'à demain dimanche. Un policier.